Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et nouveaux membres de la chaîne. À la fin de l'été, je vous avais publié un petit sondage sur la partie communauté de la chaîne pour vous demander quel type de biotope vous préférez en aquarium. Et ce qui est sorti largement en première position, c'est le biotope de type Amérique du Sud. Du coup, pour vous faire ce tuto, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi, je suis retourné au Biodôme de Montréal, où ils ont notamment un aquarium que j'adore. En fait, c'est pas vraiment un aquarium, c'est carrément un grand bassin d'intérieur vitré, plus de 30 000 litres, où évolue à l'intérieur un banc de poissons. Ils sont pas très colorés, mais je les trouve vraiment magnifiques. Ce sont des métinis. C'est en fait du groupe des piranhas. C'est des poissons assez plats, comme un disque un peu. Enfin, vous l'avez vu hein, dans la petite vidéo que j'ai mis en tout début d'introduction. Je trouve ça magnifique. Hein. J'ai carrément flashé sur cet aquarium. Du coup, ça sera l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, j'ai pas filmé l'installation de cet aquarium, donc c'est pas vraiment, comme d'habitude, un tuto d'installation. D'ailleurs, la partie où je vous présente cet aquarium sera plus courte par rapport à mes vidéos habituelles. Mais du coup, j'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer finalement le reste du biodôme, notamment la superbe serre forêt tropicale humide. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker à la fin de la vidéo. Et puis, bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner parce que dès le mois prochain, je reprends un tuto classique avec l'installation d'un aquarium pour un groupe de Kili. Voilà, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche pour ne pas louper dès que cette vidéo sera mise à disposition pour tous. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, participer à mes petits investissements pour vous réaliser des nouveaux projets, des nouveaux tutos, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne en cliquant sur le premier lien qui apparaît dans la description. Et en plus, ça vous permettra de déjà voir ce tuto aménagement d'un bac pour un groupe de Kili, hein, puisqu'en fait, il est déjà disponible pour les membres. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Bon, ben, je vais vous laisser maintenant regarder cette vidéo sur un bac de type amazonien. Les métinis sont des poissons d'eau douce originaires d'Amérique du Sud. Pour en élever, il vous faudra un aquarium d'au moins 400 litres, c'est-à-dire une centaine de gallons, pour un petit groupe de 5 individus. Et faire des changements d'eau de l'ordre de 30% au moins une fois par mois. Mais à l'état sauvage, dans le bassin de l'Amazone par exemple, ils vivent en bancs de plusieurs centaines d'individus. Du coup, comme je vous l'ai dit en introduction, je vous emmène au Biodôme de Montréal pour vous les présenter dans un aquarium exceptionnel. Il existe de très nombreuses espèces de métinis. Ici, un incroyable banc de silver dollar rayé que je trouve magnifique. C'est plutôt impressionnant quand on les voit tous comme ça se retourner vers vous. Bien que omnivores à tendance herbivore, les métinis sont placés dans le groupe des piranhas. Généralement, le mâle a la nageoire anale plus allongée et plus colorée en forme de crochet. Ici, dans cet immense aquarium de type amazonien, il cohabite avec une tortue podocnémide. C'est une grande tortue aquatique qui peut peser jusqu'à 45 kg pour les femelles. Regardez un peu la beauté de cet aquarium avec cette immense vitre acrylique légèrement bombée. Là-bas au fond, une raie à pois de la rivière Xingu au Brésil.
Cette espèce de tortue se rencontre également au Brésil, ainsi que dans différents pays d'Amérique du Sud. Elle n'est clairement pas dérangée par nos métinis, qui sont des poissons calmes et non territoriaux. Ils aiment évoluer en surface ou à mi-profondeur. Toutes originaires d'Amérique du Sud, on peut admirer ici différentes espèces de plantes dans la partie émergée de cet aquaterrarium biotope, complètement intégré à la serre tropicale du biodôme. L'éclairage est vraiment remarquable et des buses au plafond permettent de simuler des averses tropicales. J'espère que, comme moi, vous êtes en train de rêver devant la beauté de ce bac amazonien. L'intérêt avec des gros poissons, c'est qu'on peut avoir plus d'interactions. Pour éviter une trop grande concurrence alimentaire avec tous ces poissons, la nourriture de cette raie est distribuée dans des contenants directement déposés sur le fond du bassin. Elle peut comme ça y accéder plus facilement. Dans la nature, elle se nourrit principalement d'escargots d'eau et de crabes. Également originaire d'Amérique du Sud, ce pléco a tout à fait sa place dans ce bac de gros volume. Comme je vous le disais, ce superbe bassin fait partie intégrante de la serre tropicale du biodôme de Montréal. Franchement, si vous venez au Québec, ça vaut vraiment le coup de visiter cet endroit. Quatre types d'écosystèmes d'Amérique y ont été reconstitués. Dans cette partie, une forêt tropicale humide luxuriante. On peut y voir évoluer notamment dans cet autre bassin, des caïmans. Après l'homme, ce sont les principaux prédateurs des piranhas, eux-mêmes prédateurs des nombreux cichlidés qui vivent en Amérique du Sud. La nature est un équilibre fragile. Si on vient à diminuer la population de caïmans, on risque de faire augmenter la population de piranhas, ce qui pourrait entraîner le déclin de certaines populations de cichlidés. Bien sûr, tout est fait pour que le visiteur ne puisse pas accéder aux caïmans, et réciproquement pour que les caïmans ne puissent pas s'échapper de leur enclos. Toute la structure de la serre est à l'extérieur. Cette conception évite que les oiseaux puissent aller se poser sur ces armatures métalliques. Cette structure en forme d'arbre permet de régulièrement changer les branches, au grand plaisir de ces haras qui adorent ronger et déchiqueter l'écorce. Même si elle paraît incroyablement haute, cette canopée est à peu près 3 fois plus basse que celle que l'on peut trouver dans la vraie forêt pluviale. Les colonnes principales de l'édifice ont été habillées en forme d'arbres géants, comme ceux qu'on peut trouver dans la forêt tropicale. Toutes les espèces animales et végétales de cet immense terrarium sont toutes originaires d'Amérique du Sud, y compris la microfaune et les insectes détritivores et pollinisateurs. On peut même y voir évoluer des dendrobates sur le sol. Bien sûr, même avec cette remarquable biodiversité, le biodôme n'est pas un véritable écosystème autonome, mais juste une reproduction qui nécessite l'intervention humaine
notamment au niveau de la nourriture variée des animaux. Plusieurs spots de types d'éclairage différents apportent une lumière d'apparence très naturelle. Génial. Ces énormes spots ont tous été placés à l'extérieur pour que les oiseaux ne risquent pas de s'y brûler. Cette toiture de verre, sous la toiture principale, permet de conserver une humidité entre 70 et 90% et même 100% à certains endroits. Pour atteindre ce niveau, l'air de la ventilation est préhumidifié et de nombreux systèmes de brumisation se déclenchent à différents endroits. La température oscille entre 22 degrés la nuit et 28 degrés au plus chaud de la journée. Le biodôme expose également d'autres aquariums et terrariums, et notamment celui-ci particulièrement intéressant parce que des dendrobates, ces petites grenouilles colorées, cohabitent dans le même espace avec des Morelia viridis. Moi qui vous parlais justement de cohabitation possible entre plusieurs espèces dans mon dernier tuto sur les Lepidodactylus lugubris, en voici ici un autre exemple. C'est vrai que les dendrobates que je vous ai déjà présentés dans plusieurs vidéos occupent plutôt ici la partie basse du terrarium, alors que ces pitons verts restent plutôt perchés en partie supérieure. D'autre part, ces serpents sont nourris avec des souris décongelées et ne chassent pas les petites grenouilles. On voit également ici qu'il est possible de faire cohabiter plusieurs espèces de dendrobates ensemble, ici Tinctorius, Oratus, Azureus et Leucomelas. Comme je vous l'avais déjà montré sur la chaîne dans un de mes tout premiers diaporamas. L'écosystème américain suivant est une érablière des Laurentides, inspirée par les paysages montagneux de la Mauricie au Canada. On y retrouve là encore différentes espèces animales nord-américaines, et notamment ces tortues peintes que j'ai eu l'occasion d'observer dans la nature. Cet immense vivarium de 1500 m² suit les différentes saisons. Les arbres y perdent leurs feuilles en hiver et rebourgeonnent au printemps. Troisième écosystème américain reconstitué au biodôme, le golfe du Saint-Laurent. Dans cet espace de 1600 m², la température vient encore de baisser d'un niveau. L'eau du golfe du Saint-Laurent est salée et abrite différentes espèces endémiques, et notamment ces superbes anémones. Pour les nourrir, des petits morceaux de poisson et autres aliments sont déposés directement dans leurs tentacules. Il est tout à fait possible d'élever chez soi des espèces d'anémones tropicales en anneaux aquarium marin. Peut-être que je vous ferai un jour un tuto sur ce sujet, parce que c'est vrai que ça peut être magnifique à observer en aquarium. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce bassin peu profond permet également d'observer facilement étoiles de mer, oursins et Bernard l'ermite. L'eau communique avec un bassin géant qui abrite notamment le plus gros poisson du golfe du Saint-Laurent marin, l'esturgeon noir.
Il peut mesurer plus de 2 mètres. Le biodôme est un mélange entre zoo, aquarium, musée et jardin botanique. Je pense que ces zoos ont un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité. Ils contribuent à sensibiliser le grand public à la sauvegarde des espèces et à leur habitat. L'idée est qu'on protège mieux ce qu'on connaît. Quelque part, moi aussi, avec mes petites vidéos, j'espère contribuer modestement à cet objectif. Les zoos participent également à des programmes de sauvegarde des espèces menacées dans leur milieu naturel. Le biodôme contribue par exemple à la réintroduction des tortues des bois, une espèce de plus en plus rare au Canada. Dans cet immense aquarium, on peut voir également évoluer des homards, très courants ici au Québec et notamment en Gaspésie. Au total, le biodôme abrite quelque 2500 animaux, de 200 espèces différentes et plus de 800 espèces de plantes. Sympa aussi cet aquarium circulaire incrusté dans le mur où on peut voir évoluer des méduses. D'ailleurs, il existe ici au Québec une espèce de méduse d'eau douce que l'on peut trouver dans certains lacs. Quatrième et dernier écosystème reconstitué, le monde subpolaire nord et sud. Après avoir traversé un couloir de glace, on est transporté dans le monde des manchots et pingouins. C'est vraiment incroyable de les voir nager à des vitesses phénoménales. Ils sont vraiment profilés pour la nage et la chasse des poissons. Certains de ces individus ont plus de 25 ans. Voilà, on arrive à la fin de cette visite. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, la vidéo sera mieux référencée. Et puis, bien sûr, le plus important, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est gratuit. Et puis vous allez comme ça pouvoir découvrir de nombreuses vidéos sur différentes espèces animales. À très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.